Sarah, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Et à Marie, le même Dieu répond à la question. À Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est... Prenez vos Bibles dans Genèse. Le chapitre 1er, nous lirons le premier verset jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Prenez encore dans 2 Corinthiens, dans le Nouveau Testament. De Corinthiens au chapitre 8, nous lirons le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Jésus-Christ, ta parole a été lu. Comme tout homme qui sait lire peut le faire. Mais, Seigneur, lorsqu'il s'agit de transformer nos vies, cela requiert plus qu'une lecture. C'est-à-dire ta présence, Seigneur, et ton action. Ton peuple s'est réuni ce matin pour un seul but. C'est que tu descendes parmi nous et que tu puisses les bénir. Seigneur, ils ont des requêtes, des demandes dans leur cœur. Père, je te supplie, ne laisse personne sortir de cet endroit sans qu'il puisse recevoir ce à quoi il s'attend. Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes, avec le sang de Jésus-Christ sur nous. S'il y a quelque chose en nous qui t'a dépouillé, donne venir nous pardonner. Et ôte cette incrédulité de nous. Nous te dédions la réunion. Nous te dédions le prédicateur. Nous te dédions toutes choses. Nous ne sommes pas venus voir un homme nous parler de Dieu, mais nous voulons voir Dieu nous parler au travers de l'être humain. Qu'il en soit ainsi. Nous croyons que les malades sont guéris et que les affligés sont consolés et que chaque requête a été exaucée. Sois l'alpha et l'oméga. Nous déclarons impuissant toute puissance de l'ennemi et que seul le Saint-Esprit avoir le contrôle de cette salle. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous aime tous. Amen.
Je crois que tout le monde est prêt. Amen. On peut commencer. Nous commencerons avec une citation du prophète ici, comme le vendredi, dans la prédication Expectation, les attentes. Il dit ceci, il avait prêché ça un vendredi soir. Just for a little text, juste pour un petit texte. If I should call it that, si je peux appeler cela de cette manière. I want to speak for a moment or two on the word of expectation. J'aimerais parler pour un moment ou deux sur le mot les attentes, expectation. Les attentes. We always get what we expect. Nous obtenons toujours ce à quoi nous nous attendons. When people expect anything, si les gens s'attendent à quelque chose, well, then they usually get what they look for. Si les gens sont dans l'attente de n'importe quoi, ou à n'importe moment, d'habitude, ils reçoivent toujours ce à quoi ils cherchent. It's the mental attitude that you have. C'est votre attitude mentale. Remember this. Souvenez-vous de ceci. And never forget it. N'ayez jamais oublié cela. The right mental attitude toward any promise of God will bring it to pass. Votre attitude mentale correcte vis-à-vis de devant une promesse de Dieu fera que cette promesse s'accomplisse. The right mental attitude, l'attitude mentale correcte toward any promise of God, devant n'importe quelle promesse de Dieu, amènera que cette promesse-là s'accomplisse. Amen. Nous parlons de la loi de devenir. Nous avons vu le dimanche passé de la même manière que les chenilles quittent la forme chenille pour devenir papillon. Et cela est géré par une loi de transfert. Il change d'un insecte à un autre. Totalement différent. Portant un corps différent. Mais un sort dans l'autre. Dites amen. Amen. Si vous pouvez demander la question à la chenille avec beaucoup de ses pattes, avec sa bec, avec ses yeux, avec ses poils ou ses piquants, vous essayez de lui demander qu'à l'intérieur de toi, il y a un autre être qui est plus beau que toi, qui peut s'envoler, qui a plusieurs couleurs. Il ne pourra pas croire. Et si vous appelez quelqu'un qui n'est pas expérimenté dans le cycle des chenilles, il dira comment? Il va ouvrir, il va autopsier. Il trouvera qu'il y a des intestins, il y a tout, il y a c'est tout un être. Mais il dira, je n'ai pas vu un autre corps. Je n'ai pas vu les ailes là-bas. Il n'a pas tort. C'est comme ce matin, je vous dis qu'à l'intérieur de vous, il y a un autre homme. Et cet homme nouveau qui est à l'intérieur de vous apparaîtra lorsque celui-ci va s'arrêter.
Alors, remarquez, cette métamorphose est gérée d'après les lois du devenir. Suivez-moi très bien. Mais vous remarquerez que la chenille va manger la nuit, le jour, les feuilles, ainsi de suite. Arrivé à un moment, le cycle de vie, et tant que chenille, ça s'arrête. Et ensuite, tout est en commence à s'immobiliser, et jusqu'à ce que la chenille, nous appellerons naturellement, est mort. Et ensuite, il commence à se solidifier. Il devient une coquille morte. Mais au sein de cette mort, quelque chose se forme. Au bout d'un certain moment, vous allez voir de cette coquille morte un autre être apparaître. Avec des ailes, avec la beauté des couleurs, plus fragile, plus mieux, qui va prendre son envol. Celui dont chacun de nous voudrait toucher, voudrait regarder. Je connais un musée à Singapour, là où les gens quittent le monde entier pour aller voir les espèces de papillons morts qu'on a collés sur les vitres. Donc c'est difficile de voir un musée là où on va mettre des chenilles mortes dans lesquelles les gens vont aller observer dans cette beauté-là. Voyez-vous, il a changé, il a métamorphosé d'une espèce à une autre. Ici, ils étaient un autre groupe, ici, c'est un autre groupe de papillons. Et de même aussi, à l'intérieur de vous, vous êtes des êtres spirituels. Vous croyez que vous êtes charnels, non? Vous êtes des êtres spirituels qui ont les expériences charnelles. Mais tellement que nous nous sommes accoutumés avec la vie naturelle, on a oublié que nous sommes des esprits. Nous avons existé avant ce corps et nous continuerons à exister après ce corps. Et ça, c'est très important. Donc la loi du devenir dans laquelle nous essayons d'enseigner ici, cela vous change de ce que vous êtes maintenant à ce que vous serez. Et tout dépend de votre attitude mentale vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Tout dépend de votre attitude mentale vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est très, très important. Nous avons vu que la loi de devenir commence premièrement, number one. Je crois que vous êtes avec moi. Vous me suivez? Je n'ai que ça, il n'y a pas d'autre. Allô? Ouais. Premièrement, nous avons vu la pensée. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit dans Genèse, au chapitre 1, le verset 26 à 27, que la voix dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible dit au verset 27, il, Dieu, le créa à l'image de Dieu. L'homme que Dieu avait créé,
dont Genèse nous rapporte ici, était un homme esprit. Parce que dans Genèse au chapitre 2, il est dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et Dieu forma de la poussière de la terre l'homme et plaça le souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Il semble que dans Genèse chapitre 1, Dieu créa un homme. Et au Genèse chapitre 2, il forma un autre. Vous êtes avec moi? L'homme de chapitre 1, c'est l'homme intérieur. Qui est la copie de Dieu lui-même. L'homme au chapitre 2 de la Genèse est l'homme naturel qui a été créé selon l'ordre des animaux dans l'évolution. C'est pour cela, vous, même ignorant, vous êtes Dieu. En état latente. Amen. La religion ne vous donne pas la puissance. Nous écoutons à nos jours beaucoup d'églises vous dire que chez nous il y a la puissance. Ou notre pasteur est puissant. S'il fait quelque chose, s'il prie pour vous, moi ce matin, à mon humble avis, je ne crois pas que j'ai une puissance particulière à vous confier. La seule puissance que j'ai, c'est le savoir. Amen. Et dans lequel je vais vous le confier afin que vous, c'est comme un manuel, un operating manuel, que je vais vous le confier afin que vous puissiez utiliser le device, l'appareil qui est en vous. Vous dites amen? Même Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il était ici sur la terre, n'a jamais prétendu guérir les malades. Dans ma Bible, est-il nulle part, il est écrit que Jésus a dit, je vais te guérir. Où j'étais guéri. Mais c'est plutôt le chroniqueur qui rapporte en disant que Jésus alla et a guéri les malades, il a fait ceci, il a fait cela. Mais Jésus Christ, notre maître, n'a jamais enseigné cela. Il a dit plutôt, va mon fils, va ma fille, ta foi t'a guéri. Donc nous sommes ici ce matin pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se trouve en vous. Amen. C'est cette chose-là que nous voulons motiver, nous voulons stimuler, nous voulons que ça germe et que ça devienne un arbre qui porte les fruits, parce que c'est grâce à ça que vous, étant humain, vous changez d'un humain à un Dieu. Parce que Jésus a dit, tout est possible à Dieu. Ah, je vois le frère dire là, que le Seigneur te bénisse. Acclamez pour lui. Tout est possible à Dieu. Le croyez-vous? Il dit, Dieu dit à Sarah, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Et à Marie, le même Dieu répond à la question. À Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et cela affirme l'omnipotence de Dieu, qu'il est tout puissant.
Mais dans l'univers, Dieu est tout puissant. Mais je suis ici pour vous apprendre qu'il n'est pas tout puissant seul. Il n'est pas tout puissant seul. Il est écrit, que à celui qui croit, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui a la foi, tout lui est possible. Tout est possible à celui qui a la foi. Vous le croyez? Donc, que ce soit la religion, que ce soit le spiritisme, que ce soit la chrétienté, que ce soit l'occultisme, ou quel nom de formes qui sont différentes qui se trouvent dans le monde, n'a pas de puissance à donner à l'homme. Ne fait qu'exploiter la puissance qui se trouve en vous. C'est pour cela que Frère Branham dit, ne laissez jamais le diable vous dire que vous êtes quelque chose d'insignifiant. Parce que la puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve en vous, le croyez-vous? Et cette puissance qui est en vous, cette puissance est gérée d'après les lois. Elle est gérée d'après les lois. Notre Dieu, au temps du soir, est venu comme la mère aigle pour chercher les glands. Ce que les glands en avaient besoin, c'était opérating manuel. Ils n'avaient besoin que du manuel de fonctionnement, de comment utiliser la puissance latente qui se trouvait en lui. Alors, si Dieu, comme c'est le cas, a créé l'homme selon un modèle de lui-même, Frère Branham dit dans les Messies, que l'homme a été façonné comme Dieu. C'est un Dieu. Amen. La copie conforme ou une duplication de Dieu. Donc tout ce qui est en Dieu est dans l'homme. C'est pour cela, pour que vous puissiez réussir, vous devez vous rappeler que vous êtes l'image, comme Genèse 1, au verset 26 à 27, il est dit, vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Tous les attributs, tout ce qui est en Dieu, se trouve dans l'être humain. Mais la différence, c'est que cela est latente. C'est comme je vous demanderais de me donner un manguier, mais vous me donnez un gland. Le gland n'a pas de branches. Le gland ne peut pas vous donner l'ombre. Le gland ne peut pas vous donner les fruits. Le gland, voyez-vous, ne peut pas donner les feuilles, les glands, vous ne pouvez pas vous jouir de tout ce qu'un manguier peut vous donner. Mais dans le gland, il y a tout cela. C'est tout un manguier en puissance potentielle. Mais si vous pouvez laisser ces glands tomber en terre, et le mettre de la condition de la germination du gland, vous verrez
des feuilles du manguier vont sortir, et ces feuilles, vous verrez des branches vont sortir, et ainsi de suite, en l'entretenant, vous aurez à nouveau un manguier qui donnerait des mangues qui produiront encore d'autres glands. Vous suivez cela? Et c'est ce que vous êtes. Vous ne saviez pas que là où vous êtes assis, vous êtes des dieux. Amen. C'est cela, vous êtes des Christ. Mais le Christ qui est en vous est dormant ou est latente. Mais seule la parole de Dieu que vous vous nourrissez, la chair du Fils de l'homme, qui pourra développer, fait que les grains de blé puissent produire, grandir, jusqu'à produire d'autres grains. Et ce processus est géré d'après les lois. Amen. Il n'y a aucune puissance au monde qui peut vous détruire en dehors de la puissance qui est en vous. Vous dites amen? Il n'y a aucune puissance au monde qui peut vous bénir et changer votre vie en dehors de la puissance qui est en vous. De celui qui est en bonne santé à celui qui est maladif, à celui qui est riche, à celui qui est pauvre, les deux états différents dépendent de la manière dont a été façonnée ou orientée la puissance qui se trouve dans l'homme. La Bible dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Pour nous transformer des êtres naturels, des êtres pécheurs, à des aigles, les fils de Dieu, manifestés. Et nous savons tous qu'au temps du soir, il y aura un enlèvement. Et Jésus-Christ prendra les rachetés, l'épouse. C'est à cause de cela que nous nous réunissons. Pour avoir les instructions de comment monter et rester avec lui. C'est pour cela, j'aimerais que vous puissiez suivre ça attentivement. Ce matin, nous allons les donner comme dans une école de dimanche. Afin que tout le monde qui est entré ici puisse sortir avec quelque chose. Et comprendre ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et connaître ce qui est parfait. Nous avons vu que la loi de devenir, premièrement, c'est la pensée. Non, mais tout. Pas plutôt les noms. Nous avons la pensée toujours, cette pensée mentale. Plus maintenant l'émotion. Troisièmement, nous avons la pensée émotionnée. Amen. Amen. Donc cette pensée, premièrement c'est la pensée. Deuxièmement, à la pensée est ajoutée l'émotion. Nous avons maintenant la pensée et l'émotion. Elle produit maintenant ce que nous avons appelé les habitudes.
Et quatrièmement, ces habitudes produisent maintenant les événements. Ou les circonstances, ou les chaînes, ou ce que nous appelons la solidification. Ou cela fait chair. Alors écoutez. C'est ça la loi du devenir. Vous pouvez noter ça? Vous êtes avec moi? Donc cela veut dire que si vous ne devenez pas ce que vous vouliez, ce n'est plus la faute de Dieu. Parce que Jésus a dit, ne vous contentez pas simplement d'entendre, mais mettez-les en pratique. Il dit, un homme qui écoute la parole de Dieu, et ne les met pas en pratique, est semblable à celui qui a bâti sa maison sur du sable mouvant. Lorsque les vents et les eaux viennent, sa maison se détruit. Mais celui qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique, est semblable à celui qui a bâti sa maison sur les rocs, sur le dur. Les difficultés viendront, les tempêtes viendront. Les temps mauvais viendront, mais ce qui est différent ici de la scène, c'est que cette maison-là ne se croulera jamais. Cette maison-là ne changera pas. Nous vous enseignons afin que vous soyez les hommes faits. Que vous chassiez au temps convenable comment réagir. Suivez. Premièrement, nous avons la pensée. La pensée, Dieu nous l'a donnée. Vous entendrez quand vous dites que la pensée est une force. La pensée qui est une force, ce n'est pas cette pensée. C'est cette pensée ici. Qui peut dire amen? L'autre pensée, ce sont ce que nous appelons les idées. Dans notre esprit, nous avons des idées. Et ces idées, on a mesuré cela. On a trouvé que chaque pensée que nous pensons, la science a trouvé que nous avons 60 000 pensée ou idée que nous pensons par jour, minimum. Et pourquoi ils ont mesuré cela? Parce qu'ils ont trouvé que chaque pensée est une fréquence. Donc nous avons 60 000 fréquences que nous émettons, que nous recevons. C'est ce que vous êtes, des générateurs d'une chaîne qui a 60 000 canaux. Mais aucun de ces canaux ne peut être manifeste dans votre vie. C'est comme votre télévision. Si vous aviez un module de chaîne, ce qu'on appelle le décodeur, qui a 60 000 chaînes, et que vous le branchez à votre poste téléviseur, la télévision va montrer que la chaîne à laquelle vous êtes câblé, ou vous êtes canalisé. C'est cela que, c'est cette chaîne-là qui va émettre, vous allez être en contact avec ça. Elle va se manifester. Si vous passez
Une autre chaîne, peut-être c'est un débat scientifique. Vous serez en contact, vous serez comme si vous êtes là, là où le débat s'est fait. À l'autre, si c'est la guerre, vous allez vivre ça en live. À l'autre, si c'est un concert, vous pouvez vous lever même danser. À l'autre, je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est comme ce matin, vous êtes branché directement avec le ciel. Ça, c'est la règle numéro un. Ça, c'est la pensée passive. Elle n'agira pas. Et vous entendez, la science chrétienne enseigne que, ou l'occultisme, que la pensée domine la matière. Nous, étant que chrétiens, nous ne croyons pas à ça. Nous savons simplement qu'ils ont simplement observé un certain phénomène. Et ils ont attribué ça à tort, par manque de savoir. Et nous comprenons que, à cette époque, lorsqu'ils sont arrivés à ces conclusions, les sceaux n'étaient pas révélés. Et le messager n'était pas sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, vous pouvez vous concentrer, et ils le font aussi, et ils cassent les verres. Ils éteignent les bougies. Ils font tout ce que vous voyez là. Il dit là, avec la pensée. Non, non. C'est pour cela qu'ils ont produit un groupe de penseurs jusqu'à ce qu'ils perdent la tête. Mais ils n'ont pas de résultats. Les plus sincères ont fini par abandonner. Qui peut dire amen? Amen. Ceux qui sont plus zélés continuent à penser. Zéro. Votre pensée, étant que fréquence, ne peut pas s'accomplir. Qui peut dire amen? Amen. Mais si ça s'accomplit, c'est que tout ce que je pense arrive, mais ça sera fatal, mon frère. Ça sera très fatal. Mais la pensée qui est une force, c'est la deuxième partie. Lorsque à cette pensée est ajoutée l'émotion. On appelle émotion, emotion. Le mot motion signifie mouvement. Mais on ajoutait à cela. Et qui signifie énergie. Donc émotion, c'est énergie en mouvement. Voilà la définition. Donc lorsque la pensée est imbibée de l'énergie qui est l'émotion, alors cette pensée commence à bouger, devient vivante. C'est pour cela que Madame dit toute chose qui n'a pas d'émotion en elle n'a pas la vie. Ce qui a la vie, c'est ce qui est émotionné. C'est pour cela qu'il y a la vie ici. C'est pour cela que vous êtes émotionné. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une pensée, et cette pensée devient émotion, et vous ajoutez à cela l'émotion, la fréquence, parce qu'en vous, vous aviez de l'émotion. Lorsqu'on parle de l'émotion, on parle déjà de cœur. On parle déjà de cœur. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu dit, vous me cherchez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Qui peut dire amen? Amen. Pas d'une partie de cœur, de tout le cœur, vous me trouvez. Parce que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur parce qu'au cœur, c'est là où se trouve le centre émotionnel de l'homme.
Et l'homme aimait par cette émotion. Donc la fréquence des pensées que vous serez focalisé et l'énergie du cœur là s'appelle intention. Intention veut dire don. In et tension. La tension est obtenue par les fréquences répétées. Par exemple, je tape ici. Le son que vous écoutez, lorsque j'ai augmenté l'intensité. Vous êtes avec moi? J'ai augmenté la vitesse, l'alimentation. La même chose, mais à augmenter d'intensité. Vous sentez la douleur. Après, cette douleur s'enflamme, s'enflamme, s'enflamme. Et c'était chaque 2 heures, vous aviez le mal. Maintenant, c'est chaque 30 minutes. On dira que la douleur ou l'inflammation a pris de l'intensité. Par ces fréquences répétitives. Plus encore en augmentant, en allant, en allant, en allant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième partie. Et lorsque vous augmentez de l'intensité, donnée en direction d'une des 60 000 fréquences, comme la science le dit, alors cette fréquence-là est nourrie. Et lorsqu'elle est nourrie, elle devient encore plus gros ou la bande passante s'enflamme et devient encore plus fort jusqu'à ce qu'elle traverse les rideaux du lieu très saint. Qui peut dire amen? Et elle se manifeste avec les lois des contraintes et produit ce que tu as voulu en se solidifiant. Écoutez mes frères, nous sommes les assassins. Frère, ne dormez pas. Nous sommes les assassins de notre propre vie. Par l'ignorance, bien sûr. Mais j'aimerais que ce matin, en sortant d'ici, vous sortez délivrés. Suivez-moi attentivement. Nous allons briser les chaînes de l'ennemi qui nous a enchaînés dans l'ignorance. Et cela s'est solidifié en nous. À tel point que nous ne pouvons plus s'empêcher, nous sommes liés par ces circonstances, par ces expériences. Écoutez mes frères, la délivrance qui nous a été apportée à l'ouverture des seaux. Remarquez, Frère Branham appelle ça, il dit que les Indiens appelaient cela des chiens en bataille. Il y a un chien noir qui est celui de l'ennemi. Il a en lui tout le patrimoine de manifestation de tout ce qui est destruction et ennemi à la vie qui est en vous. Il y a le chien blanc qui représente tout ce qui est de meilleur que vous désirez. Mais les deux chiens sont en bataille tout le temps en vous. La grande bataille jamais livrée. Mais il dit la victoire dépend du poids
du chien dans la bataille. Et ce poids du chien dépend de quel chien que vous nourrissez le plus. Et le chien qui sera plus nourri, il aura de la force, il aura le poids. Ou le poids de la bataille sur lui n'aura pas d'effet. Parce qu'il va grossir. Et l'autre, étant privé de la nutrition, du repas, deviendra chétif, va maigrir et va s'affaiblir. Et celui qui triomphera, c'est celui qui a été plus nourri. Et vous, si la pauvreté, alors que Christ est mort pour nous, a triomphé sur nous, c'est parce que nous avons nourri et on a alimenté notre propre adversaire. Par les sortes de conditionnements, de l'environnement, de l'atmosphère, et des sortes de pensées, et des idées, des concepts et des doctrines qui ont façonné notre sphère spirituelle, là où nous naviguons. Mais si on peut changer de monde et qu'on rentre dans une autre sphère et que nous y vivons dans le monde parfait, positif, vous verrez que si cette pensée est imbibée d'émotion et que cette pensée commencera à changer nos habitudes, parce qu'elle aussi va synthétiser des habitudes nouvelles, et lorsque ces habitudes vont se manifester, elles attireront les événements, les circonstances qui seront le contraire de ce que nous sommes aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez bien. Le chien que vous nourrissez le plus, c'est pour cela ne blaguez pas. Lorsque la parole dit ne convoitez pas et ne regardez pas ces sales choses, n'insultez pas, ne faites pas ceci, c'est pas pour Dieu. C'est pour vous. Vous trouvez c'est simple, mais vous ne savez pas que cet agent a un patrimoine. C'est comme nous disons, lorsque nous quittons les reins de notre père, allons dans les reins de notre mère, on dit que les germes de vie qui deviendront des personnes, et ils sont au moins au nombre de 2 millions ou des milliards. C'est tout un monde. Et lorsqu'ils commencent leur voyage, ce voyage-là a plein d'obstacles. Il y a les mycoses, il y a les quoi, il y a des microbes, il y a beaucoup de choses, il y a les anticorps, et ainsi de suite, parce que ce sont des corps étrangers. Mais un d'entre eux, le vainqueur, arrivera à l'ovule. Mais ce grand combat qu'il a mené, c'est pour la mort. Lorsqu'il arrive à l'ovule, et qu'il réussit à rentrer par le trou, lorsqu'il arrive là-bas, au lieu de vivre, il cogne sa tête contre les parois, et tout se détruit, sa queue se détruit, mais ce qu'il livre, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, qui est un patrimoine génétique. Et c'est ce patrimoine génétique qui est des protéines, des enzymes, de quoi que ce soit, qui formera le premier embryon. Et la division cellulaire commence à faire. Et dans le patrimoine qu'il a livré là, va se développer la différenciation cellulaire qui va donner, voyez, vos membres, vos cheveux, et qui va dessiner votre visage ressemblant à un grand-père que vous n'aviez jamais vu. Vous êtes avec moi? Amen. Votre voix et tout va être en train d'être copié
est en train de se faire. Tout ce développement-là, lorsque vous prenez le premier patrimoine, ce n'est qu'une codification des enzymes et des protéines et des glucides et quoi que ce soit et tout. Qui peut dire amen? Amen. Mais en elle, il a un secret dans cet ADN. Il y a tout qui est copié là. Et qui va se manifester, qui fera une dame et qui fera le futur papa ou chef ou directeur. C'est pour cela l'avortement est interdit chez les chrétiens. Parce que vous tuez là un vainqueur. Vous êtes avec moi? Parce que le fœtus n'a pas d'âme. Vous saviez ça? On ne reçoit pas l'âme au sein de ta mère. Alors, remarquez. De la même manière, les pensées que vous caressez, les doctrines que vous recevez, ce que vous recevez là, c'est codifié. Il y a une intention derrière ça, qui est une sorte d'énergie qui a libéré cela. Même lorsque je prêche ici, ça peut être un bon sermon. Mais quelle est l'intention qui m'amène, qui m'anime d'être ici pour vous dire ça? Cette intention aussi est cachée dans mes paroles. Qui peut dire amen? Oui. Bon, ami dit, ce que vous voyez là, c'est un don. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ces dons? Et quelles sont les intentions que ces dons-là a? Où est-ce qu'il veut arriver? Donc, faites très attention, ayez le discernement, parce que la pensée. Peut-être que non, j'aime telle musique. Est-ce que vous saviez les tensions qui est derrière la personne là? Oh non, c'est un bon chanteur. Vous connaissez sa vie? Est-ce qu'il est au ciel ou en enfer? Mais il va vous délivrer une bonne musique. Il citera peut-être le nom de Jésus. Mais le prédicateur, est-ce qu'il vit? Ce qu'il vous dit là? Mais lorsque il va livrer ce paquet, peut-être que ce n'est pas à sonnette. Et vous serez très étonné du développement qui va se manifester dans votre vie. Comment un jeune garçon peut écouter le rock and roll ou le rap et ensuite, après avoir écouté ça, peut prendre une arme? Il commence à tirer les gens. Alors que dans cette musique-là, on ne lui a pas dit de prendre les armes. Ou il commence à fumer, prendre de la drogue. C'est qu'il y a un message subliminal qui est codifié dans ses paroles. Qui peut dire amen? Il y a de l'intrigue là-dedans. C'est là où le vrai message passe. Amen. 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 Ils savent que c'est un commis empoisonné. Dieu a créé des femmes avec un instinct dans lequel, lorsque tu la salues, bonjour madame ou mademoiselle, comment vous allez? Et ainsi de suite, tu t'intéresses à elle, comme tout homme qui est gentil, gentleman, peut s'intéresser. Mais elle saura si ton intention de s'intéresser à elle est plus que s'intéresser à elle. Si elle ne veut pas, elle devient déjà nerveuse. Elle dit oui, bonjour, oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous voulez? Oh non, vous êtes très gentil. Elle dit, arrête avec ça. Vous dites amen? Mais si vous osez, elle me dit, mais cette dame est méchante, quoi. Non, non, elle a déjà saisi là où tu veux en venir. Amen. Vous allez dire, mais comment elle a su? Mais c'est aussi réel, tel que Dieu les a façonnés, c'est aussi réel que tu ne peux pas se cacher.
Je crois que les dames peuvent dire amen à ça. Si une dame dit non, je ne connaissais pas les intentions de ce monsieur, elle ment. Amen. Mais si vous parlez avec elle sans s'intéresser à elle, elle saura aussi. Alors, remarquez que Dieu nous aide. Remarquez que vous aussi, vous êtes dotés de ça. C'est pour cela que Dieu nous demande de penser, les pensées positives. Toujours du bien. Parce que notre cœur va faire germer. Parce qu'il dit, le sol, c'est le cœur des fils du royaume. La pensée est une semence. Mais elle prendra vie que lorsqu'elle descendra dans le sol approprié. C'est pour cela. La deuxième partie est importante. Lorsque vous aviez des pensées, les sortes de pensées que vous pensez conditionnera ce qui sera votre future vie. Et cette vie révélera réellement la face cachée des sortes de pensées que vous vous êtes livrées. Dans quel conditionnement vous vous êtes mis? Et cela attirera les sortes d'atmosphères appropriées. Ce qui façonnera votre vie et vous donnera certaines habitudes. Vous entendez les gens? Et toi, ma femme, tu vas à l'église tous les jours, le pasteur prêche, mais malgré cela, tu ne changes pas. Ou toi, monsieur, tu vas à l'église tous les jours, on nous donne des bons conseils là-bas, mais il ne change pas. Un tel homme, c'est un faux. Ça, ce n'est pas un chrétien. Les chrétiens n'agissent pas de cette manière. Mon frère, ce qu'on dit là, cela prouve même notre ignorance. C'est que vous voyez la personne telle qu'il est là. Ce que vous appelez habitude, c'est déjà une synthétisation. La première forme de la matière, comme on a des gaz, on a des ondes, qui donnera des gaz, et des gaz qui donnera des liquides, les liquides, qui donnera les solides, les habitudes que vous aviez. Mais lorsqu'elle va solidifier, le sorte de roche, qui sera là, dépend de la nature des gaz qui ont produit des acides qui se sont solidifiés, ont donné naissance à ce que vous voyez. Et ce roche-là aussi, ça dépend de quelle formation il est. Par exemple, nous avons le diamant. Le diamant n'est que le charbon. Qui peut dire amen? Le charbon n'est que... n'est qu'une source de vie dans laquelle l'oxygène a quitté ou qui s'est brûlé. Mais lorsqu'elle reçoit plus de pression, il devient du cristal. Et lorsqu'il se cristallise, il devient solide qu'on appelle le diamant. Le diamant coupe tous les autres métaux. Il n'y a que le diamant qui aiguise le diamant. Parce qu'il est solide. Et vous ne pouvez pas le changer, c'est un diamant. Et il est passé là, depuis le temps de Kimberlite, lorsque la terre n'était que des volcans, de lave en lave, et toute cette pression-là, il a reçu, que la résultante, c'est le diamant. Et lorsque vous le taillez, vous verrez ces feux. Vous voyez? Et ce que vous voyez là, c'est un résultat
d'un grand processus. Donc ce que vous appelez ces habitudes-là, c'est le résultat de ces processus. La seule manière qui peut les détruire, c'est de recommencer un autre processus. Parce que ce n'est qu'un autre diamant qui peut détruire un autre diamant. Vous dites amen? Le fer aiguise le fer. Et lorsqu'il devient diamant, ce charbon est emprisonné, n'a pas la capacité de repartir. Et les habitudes que vous aviez, c'est la première forme, parce qu'on dit qu'il y a d'abord l'énergie. Parce qu'on dit que qu'est-ce que la matière? On m'a demandé à Albert Einstein. Il dit la matière, c'est l'énergie en inertie. Donc la première partie pour qu'elle puisse apparaître est d'abord la pensée. Et la pensée devient émotionnée. Et cela produit des habitudes. Des habitudes commencent à synthétiser. C'est la forme synthétique de la pensée. Et elle se solidifie par les circonstances qu'elle tire. Elle se solidifie par les circonstances qui l'attirent. Par exemple, vous faites croire à un enfant que toi, il ne faut pas faire comme les autres enfants. Parce que, eux, ils sont riches, nous sommes pauvres, conditionnément. Ne les suis pas. Parce que s'il y a un problème, les parents vont réagir. Mais moi, je suis pauvre. Par conséquent, si tu es pauvre, s'il y a quelque chose, nous n'avons personne pour réagir. Je n'aimerais pas faire la prison. Papa négatif. Maman négatif. Le pauvre jeune esprit va grandir dans le conditionnement négatif. Amen. Vous verrez, ceux dans la famille qui se sont épanouis, c'est ceux dont les parents disaient que toi, tu n'es pas comme les autres de mes enfants. Au moins toi, tu iras plus loin. Il a été ensemencé. Apprenez à vos enfants de leur dire qu'ils sont différents. C'est eux qui feront sortir la famille de cette... et commencer à leur prophétiser ça. Qu'ils sont responsables. Et ne t'occupe pas de ces pauvres-là. Toi, tu es préparé à un destin d'être une grande personne. Répétez-les ces sortes de pensées. Ce conditionnement fera que la fréquence richesse et responsabilité va s'enflammer. Qui peut dire amen? Et déterminera le genre de personne qu'il sera. Dites amen. Amen. Si quelqu'un a grandi là où la famille a un certain code d'éthique ou d'honneur, il dira non, moi tu ne peux pas me faire honte. Nous ne sommes pas comme ça. Dans notre famille, ça non. Voilà le genre de vertu que nous faisons. Vous verrez que ce monsieur-là, s'il grandira, sera aussi de la même manière. Parce qu'on dit qu'on saigne ton enfant lorsqu'il est encore petit. Parce que lorsqu'il sera grand, il ne s'en retournera pas. Celui qui n'était pas voleur dans la jeunesse, et que lorsqu'il devient grand, il ne sera pas volé. Ou même s'il vole, on va l'attraper. Parce qu'il va se paniquer. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il vient de prendre, de faire, ne trouve pas le fondement en lui. Il n'a pas cette intelligence de dissimuler. Qui peut dire amen? Il est dépourvu de cela depuis sa jeune formation de son esprit. Et vous avez été formé mentalement, c'est ce qui résulte ce que vous êtes. Par les journaux, les sortes de livres,
Ce qu'on vous a dit à l'école, dans la famille, les idées reçues, les concepts, oh non, il y a des sorciers qui viennent la nuit, ils vont te jouer comme le ballon, et le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu vois les sortes des idées reçues là, il se transforme en chat. Le chat qui a pleuré, derrière, qui a miaulé derrière la maison, ou sur le sol là, ça doit être un sorcier. Qui est, vous voyez, ces sortes des idées vous désarment. Amen. Mais si tu dors avec un Européen, comme son conditionnement n'a pas ce sort de superstition, je lui dirai absolument rien. Il peut aller même dans les cimetières la nuit. Ça lui dirait absolument rien. D'ailleurs, on dit, non, la sorcellerie des Noirs ne peut pas ensorcellerer les Blancs. Je crois que c'est vrai. Parce que les Blancs ne croient pas à ça. Parce que ce qui te détruit, te guérit, ça dépend de ta foi. Même lorsque je parle ici, pour que le bien t'arrive, il te sera fait selon ta foi. Je crois que ça commence à devenir intéressant, n'est-ce pas? Alors, on peut continuer? Bon, alors, remarquez. Mes frères, ne prenons pas le même schéma que nos parents nous ont mis. Qui peut dire amen? Prenons l'éducation de nos enfants. Nous avons un schéma battu depuis la colonisation jusqu'aux indépendances jusqu'à aujourd'hui. C'est que si tu as un enfant, ne le laisse pas au village. Il faut qu'il parte à l'école et puisse partir tôt, même étant bébé. On appelle ça jardin d'enfants. Tu vois déjà, tu confies ton enfant qui est encore jeune. Et dans les jardins d'enfants là-bas, ceux qui s'en occupent, les tantines qui s'occupent là-bas, tantôt eux-mêmes, ils n'ont pas d'enfants. Et cela a été fait par un but. Et tu confies le petit là ou la petite là. Elle grandit. Là-bas, on développe sa mémoire. Ensuite, elle rentre à l'école primaire. Et toi, tu t'inquiètes. Parce qu'il faut que, si elle a zéro ou faible dans telle note, il faut un répétiteur. Bien sûr, pour lui répéter la même chose. Donc, ajouter de l'énergie à la matière. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ça continue. Et il fait maintenant bien les mathématiques. Ensuite, il va au high school. Là-bas, au high school, ensuite, il passe l'examen d'état. Il arrive à avoir son bac. Et ensuite, il va à l'université. Il a sa licence, sa maîtrise, son doctorat. Il termine. Et cet enfant revient à la maison. Malheureusement, lorsqu'on avait donné ce schéma, c'est que pour que votre enfant demain puisse réussir, il puisse prendre soin de vous et de lui-même et de ses futurs, c'est qu'il va à l'école, dès qu'il rafle tous les diplômes là et qu'il revient, il aura un grand poste, c'est un cadre de l'État, on lui paiera un gros salaire et il s'occupera de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nos parents étaient terrifiés de l'idée que nous n'allons pas à l'école. Et malheureusement, nous sommes allés. Tous, on a eu le bac, la licence, le doctorat. Et lorsqu'on revient à la maison, il n'y a pas le boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Le schéma est tombé caduc. Alors, on va encore là, le même papa dit, mais toi, tu restes seulement là à rien faire. Tu ne peux pas te débrouiller comme les autres, mais eux, ils ont appris à se débrouiller pendant ce temps. Moi, j'avais appris autre chose. Oh. Mais fais au moins un effort, non, tu ne vois pas l'autre. Alors lui, il est obligé de se réfugier. Mais je suis un diplômé, mais sans emploi.
Et la chose la plus pathétique, c'est que ce diplômé sans emploi, par accident, arrive à avoir aussi un bébé. Et lorsqu'il a son bébé, au lieu de changer cette fois-ci de schéma, lui aussi, il met son enfant dans la même ligne que les parents avaient mis. Alors qu'il sait bien que ça ne marche pas, mais il n'est pas conscient parce que ça s'est solidifié en lui. Amen. Mais il faut que l'enfant n'aille pas à l'école. Mais il faut qu'il ait le diplôme. Mais tu l'amènes tout ce temps-là pour finir où? Finir encore sans emploi. Et celui, le nouveau sans emploi aussi, aura aussi son bébé. Et il va prendre le même chemin, et voilà, le monde entier est plein de chômeurs diplômés. Ce n'est pas un phénomène congolais, mais c'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, il y a plein. En Afrique du Sud, il y a plein. En France, il y a plein. Qui peut dire amen? Allez-y chez Carrefour. Et allez-y chez Carrefour en France et demandez les caissières qui vous servent là. Quel diplôme tu auras? Tu verras que non, j'ai un doctorat dans lequel je suis de la Sorbonne. Une école, une université aussi prestigieuse que la Sorbonne, après que quelqu'un finit, va être caissier dans un supermarché. Là-bas, on n'a pas besoin de doctorat. Les calculs, c'est la machine qui fait. Même l'addition, c'est la machine. Lorsqu'on veut qu'on se cranque, la machine prend. À la fin, tu tapes, ça te donne le montant, et tu tapes ce que l'autre t'a donné, et ensuite, lui, il te donne quel est l'échange. Ça n'a pas besoin de tous ces diplômes pour faire ça. Mais cette caissière-là, lorsqu'il aura son enfant, il voudrait que son enfant aille à la Sorbonne. Qui peut dire amen? Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste. Ce n'est pas parce que c'est une idée répandue que ça marche. Et ce sont, c'est pour cela les pauvres deviennent toujours pauvres et les riches s'enrichissent toujours. Parce que ce qu'un éclairé enseigne à son enfant, un non-éclairé n'en connaît pas. Ce que moi je vous enseigne, d'autres églises, même à côté juste ici, n'en sait rien. Mais le résultat que vous allez produire sera différent de l'heure. Parce que la loi de la causalité, qui peut dire amen? Va réagir, tout est cause à effet. Pourquoi ceci ne produit que des chômeurs? Parce que ça n'a pas marché pour le grand-père. Ça n'a pas marché pour papa. Ça n'a pas marché pour toi, mais tu veux que le petit passe encore sur le même chemin. Pourquoi ça continue? Parce que dans la ligne, personne ne veut changer. C'est pour cela, si vous aviez les mêmes habitudes que vous l'aviez hier, comment prétendez-vous que demain, votre avenir changera? Parce que le présent est la résultante de votre passé. Tu peux dire amen? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, si on pouvait les ramener, faire un voyage transtemporaire, les ramener au début, lorsqu'ils avaient peut-être 18 ans, et on leur dit de recommencer leur vie, je crois qu'il y a d'autres mariages ici qui n'auront jamais lieu. Et comprenez qu'il y a d'autres personnes qui sont ici qui ne devaient pas naître. Qui peut dire amen? Nous tous, nous sommes les conséquences des accidents du passé.
Mais comme on ne peut pas rectifier le passé, parce que nous sommes déjà dans le présent, mais j'ai un moyen dans lequel de vous amener au passé pour que le présent qui est le futur du passé change. La seule manière, c'est que dans le présent ici, vous changez et le futur, qui peut dire amen, qui est le présent de demain, sera différent du passé. L'idée que vous aviez de vous-même est fausse. Vous êtes là la conséquence enchaînée des expériences. Et vous croyez que c'est vous. Des expériences accidentes, d'autres sont mauvaises. C'est ce qui a résulté. Le résultat, c'est ce que vous êtes. Mais ce n'est pas vous. Je vous apprends ce matin que ce n'est pas vous. Ce n'est qu'une expérience qui a raté. Mais nous pouvons encore essayer une autre voie. Qui peut dire amen? Donc, vous voyez que l'éducation des enfants, nous les faussons déjà. Parce qu'il y a quelque chose que l'école ne l'apprend pas. C'est que l'école ne l'apprend pas comment être riche. Qui peut dire amen? L'école ne l'apprend pas à comment être responsable. L'école ne l'apprend pas à comment aimer ou haïr. Vous allez dire comment? Parce que ça, c'est comme on vous donne un vélo, on vous donne le manuel. Comment pédaler un vélo? Vous n'apprendrez jamais à pédaler le vélo par son manuel d'utilisation. Mais vous devez expérimenter. Parce que le manuel d'utilisation, je vous dirais que gardez l'équilibre. Vous ne savez pas l'équilibre sur le vélo jusqu'à ce que vous montez sur le vélo et que vous essayez vous tomber, et ensuite vous comprendrez le stratagème et vous commencez maintenant à aller jusqu'à ce que vous prenez confiance en vous-même et là vous prenez le vélo. Qui peut dire amen? Il est de même de la vie. C'est pour cela que vous verrez un comptable financier avec tous ses doctorats gérer bien une entreprise, mais lorsqu'on lui donne son salaire, le gérer son salaire et sa maison, la comptabilité n'est plus. Tous les comptes qu'il a pris toute sa vie et il les fait bien, mais chez lui-même, il n'y en a pas. Vous dites amen? Vous verrez un enseignant. Oh non, c'est un éminent professeur. La manière dont il forme les gens. Allez-y chez lui-même, il n'y a pas de formation. Pourquoi? Parce que notre système d'éducation est du diable. Il nous forme pour travailler pour les maîtres. Mais pas pour que ça soit bénéficiaire à nous-mêmes. Vous allez à l'université pour être utilisé par ceux dont ils avaient voulu qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée universitaire. Pas pour vous-même. Et lorsque vous finissez là-bas, je vais être le directeur de la société du pétrole. Mais là, on t'a dit que cette société du pétrole-là n'a pas de directeur. Ou toi, tu pries Dieu pour que lui perde son emploi et ses enfants soient affamés pour que toi, tu prends. Dieu va faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est étonnant, que les hommes continuent à faire la même chose, comme ici, et ils se disent censés. Comme si rien n'était.
C'est la même chose que nous faisons dans notre vie. C'est la même chose, mes frères, qui se trouve dans notre manière d'agir. Mais si nous pouvons changer, lorsqu'on dit changer le comportement, tu vois, c'est loin, c'est la troisième étape. Mais tu ne peux pas changer ça, tu peux changer tes habitudes comment? C'est pas facile. Ou tu prends la décision à partir d'aujourd'hui, je vais changer. C'est des mots. Vous dites amen? Parce que ça ne vient jamais en un jour. Parce que les habitudes que vous aviez attirent des malheurs ou des bonheurs. Vous êtes là emprisonné. Vous pouvez crier, vous pouvez prier. Rien ne va vous changer. Je vous apprends. Allez-y gêner, comme les églises vous disent. Il faut gêner. Hein? Venez dans la veillée de prière. Moi, je ne suis pas contre ça. Moi, je suis pasteur. J'enseigne toutes ces valeurs-là, n'est-ce pas? Mais je m'aimerais vous enseigner que vous compreniez quand est-ce vous devez faire telle pratique. Oh, priez. On chante toute la nuit. Oh Seigneur, mais malheureusement vous voyez que ces gens-là prient tous les jours, mais leur condition va ouest, va pire. Le gros problème ici avec les gens, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas pour examiner, mais j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'équation-là? Et pourtant j'ai pratiqué réellement le théorème. Mais qu'est-ce que ça a marché? Il y a quelque part où ça n'a pas marché. Et c'est quelque part qui n'a pas marché, nous devons l'examiner. Vous dites amen? Ce qui n'a pas marché, c'est votre modèle de pensée. Chaque société, chaque civilisation, chaque personnes les plus riches ont une certaine manière de penser. Et ils ont une certaine manière d'aborder la solution au problème. Je vais vous donner un exemple. Hier, un frère m'a posé une question. Il me dit, pasteur, j'ai un problème. Je voulais prendre l'un des membres de ma famille parce qu'il faut que j'allège les tâches qu'il puisse vivre avec moi. À ce moment-là, ça les aidera à s'épanouir ou prendre quelques et ainsi de suite. Je dis pourquoi non, c'est la manière dont je peux venir en aide de cette famille. Je dis ok, parce que il y a trop de fardeaux chez tes parents, oui. Je dis bon, est-ce que tu as demandé à ta femme? Il dit oui, ma femme dit, il n'y a pas de problème. Je dis d'accord. Est-ce que tu as demandé à tes parents? Tu es sûr que tes parents ont fait toute cette famille? Ils ont le désir que c'est toi qui portes le fardeau dont ils ont fait. Il dit non. Je dis d'accord. Je ne pense pas que tes parents veulent que tu portes leur fardeau. Mais il y a une chose dont je sais qu'eux, ils veulent, c'est que tu sois responsable et responsable aussi de la même famille. Ils voudraient que tu sois responsable envers eux, mais pas que tu portes leur fardeau. Il dit non, mais je voulais que c'est la seule manière d'être responsable. Il dit non, la solution que tu prends là, c'est une solution à un problème long terme, tu prends une solution à court terme. Mais lorsque tu prendras un, mais les autres. Bon, tu prendras deux, mais les autres. Mais les autres ont déjà des enfants. Quels deviendront les enfants? Tu vois, là tu n'as pas résolu les problèmes. En un premier temps, ça semble comme si on a résolu, mais tu n'en fais qu'empirer. Qui peut dire amen? Et il avait la sagesse de me demander, bon, passez alors,
Moi, là, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, d'accord. Ne fais pas comme tes parents. Ne fais pas comme tout le monde. Voilà comment on va faire. Nous allons aller chez eux. Ce qui les ronge, cette belle famille ou cette jolie famille que Dieu t'a donnée, c'est la pauvreté. Alors, allons-y pour résoudre le problème de cet adversaire-là. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, non, allons-y. Qu'on puisse chercher un moyen et faire des économies ou prendre des prêts et créer peut-être un business. Et ce business-là, lorsque ça va réagir, elle sera source de provision pour s'en occuper des autres. Et en ce moment-là, l'aide que tu donneras s'ajoutera à l'esclave qu'on a créé, qui est le business. Et le business créera un deuxième, un troisième. Vous serez beaucoup à s'en occuper de cette famille et ça sera la solution. Vous voyez, ce que j'ai dit là, c'est un certain modèle de pensée. Donc le frère est en combat pour faire sortir sa famille dans cet état. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis en train de lui faire sortir du conditionnement avant pour que je ne lui dis pas de reculer, mais de s'en occuper. Mais de s'en occuper en plantant des arbres qui deviendront des fruits dans lesquels à venir on ne viendra plus planter. Mais plutôt en jouir. Qui peut dire amen? Amen. Vous comprenez ce qu'il devait faire émotionnellement? Je n'ai pas étouffé l'émotion, mais j'ai orienté l'émotion. Qui peut dire amen? Amen. Et s'il fait ça, ça va réussir. Parce qu'il prend ça dans son cœur. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Le motif dont il vise est juste, mais la procédure, le schéma qu'il suit est en dehors de la carte. Il se perdra aussi. Parce que lorsqu'il prendra un bien l'autre dira que ah, tu n'aides que lui sans moi. Il prendra les deux et les trois. Ensuite, son épouse dit, mais ce n'est que eux, mais chez moi aussi. Il prend là-bas, après, ceux-là ne vont plus s'entendre. Et si on ne fait pas attention, ça va les briser tous. Et eux aussi, ils resteront dans une position dans laquelle ils voudront aussi les enfants agir comme eux. Vous voyez, c'est un conditionnement. 80% des gens sur la planète agissent de cette manière-là. Vous voyez, c'est le mode de penser. La manière de réagir au problème n'est pas le même. On réagit émotionnellement. Quelqu'un est malade, mais on ne lui achète pas les produits. Mais s'il meurt, comme ça touche notre émotion, alors on va l'acheter des pagnes, des poids, les histoires, et organiser et les histoires et tout. Mais la même chose, on ne l'a jamais fait lorsqu'il était vivant pour éviter de ce qui tombe malade. Ça aussi, c'est une mode de pensée. Il y a aussi une autre mode de pensée comme communauté. On voit que le frère a une famille, il ne peut pas s'en sortir. On réfléchit pour lui faire sortir là. Au lieu de faire les cotisations pour les jours de sa mort, on fait les cotisations pour les jours de sa vie. Pour le faire sortir de cette condition-là. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'il saura que c'est nous qui avons cotisé ces 600 000 pour les donner, et nous nous attendons à ce qu'il puisse atteindre le but tout fait, il y aura des gens qui lui demanderont compte. Et lorsqu'on va lui demander compte, la chose qui l'a rendu pauvre ne pourra pas agir parce qu'il a toute une communauté. Il doit rendre compte de ce qu'il fait chaque jour. Alors, comme il va se forcer, s'étouffer, faire encore la dynamo, va s'allumer et ensuite... Alléluia! Alors, lorsque nous changerons notre manière de faire,
Vous verrez que nous serons une communauté puissante. Au lieu de répondre aux injures par des injures, si on nous insulte, nous le disons, je t'aime malgré ça. Dites amen. Et on est souriant. Bonjour. Ah bonjour donc quoi? Je dis, oh, tu sais quoi ça parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, oh, ça devait être très dangereux. Après, le type là, même si on insulte, il ne s'occupe pas. Donc, il se rend compte que ces injures n'ont plus de valeur. Parce que la valeur des injures, c'est l'impact que cela produit. Et il ne t'insultera plus. Parce que toutes ces paroles sont powerless. N'ont pas de puissance. Alors, c'est pour cela, nous allons aller à la recherche de ce trésor. Celle de changer notre vie par la loi du devenir. Premièrement, une pensée. Par exemple, vous aviez des pensées. Les pensées de vie que vous aviez, tout le monde ici va être rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Moi, je veux que Dieu me remplisse du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais, tout le monde ici veut être fortuné, n'est-ce pas? Moi, je veux avoir de la fortune. Parce que j'ai un grand fardeau de responsabilité. Mais malheureusement, nombreux sont sans Saint-Esprit, sans même les chaussures, sans même la cravate, sans un habit de rechange. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre? Et d'autres ont déjà trouvé leur emploi. Oh non, nous sommes venus accompagner les autres. Mais est-ce que moi j'ai besoin d'accompagnateurs? D'autres disent, j'ai la malchance. Bon. Si tu as la chance qui est mal, bon, est-ce qu'on a besoin de ça? Mais jette cette malchance. D'autres disent, bah, qu'il a ma B. Quel médecin avait vérifié que ton sang est mauvais? Dites amen. Voilà là où les gens sont naufragés. Oh non, notre famille, oh, personne ne s'en sort. Parce qu'on nous a enchaînés. Et effectivement, vous voyez cette famille-là, il y a une malédiction qui traîne dans cette famille-là. Tout le monde, lorsqu'il veut apparaître propre, je vais vous dire qu'est-ce qui leur a enchaîné. Et je vais vous dire comment briser ces chaînes. Enchaîner votre famille, c'est la le mode de pensée qui est véhiculé dans cette famille. Cette famille-là pense d'une certaine manière, agit d'une certaine manière, se comporte d'une certaine manière. À la troisième génération, ses pensées et ses comportements sera maintenant un code héréditaire. Et comme les habitudes attirent les circonstances, ces enfants qui naissent là sont victimes. Parce qu'ils se comporteront comme leurs ancêtres. Et au même moment, les esprits qui ont suivi leurs ancêtres vont les suivre. Avec les mêmes circonstances. Et la quatrième génération est terminée. Ils ne savent plus comment penser autrement. Ça devient eux. Il produira des voleurs, les gens qui mourront en peine capitale. Donc, même ici, là, à la maison, le problème viendra de chercher. Vous savez que le problème peut te chercher même à la maison. Là où on tire en l'air comme cela, là-bas, il part. C'est seulement là où il dormait. Paf!
vous dites amen. Est-ce qu'il y a au hasard en Dieu? Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons reçu un prophète. Et il meurt. Cela est arrivé à tout le monde avant moi. Mais chez moi, cela va s'arrêter. Parce que j'ai les pensées qui étaient en Christ. Il dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. La Bible dit, laissez que ces pensées qui étaient en Christ. Il dit les sentiments. Donc la pensée avec émotion. Qui étaient en Christ venir en vous. Et elle donnera des habitudes de Christ. Et elle attirera la bénédiction de Christ. Bon, un papa qui enseigne à son fils, il dit, tu sais, nous sommes les couillous. Vous m'excusez, hein, s'il y a des couillous ici. Où nous sommes les bébés. Chez nous, si on blague, il faut avoir le couteau. Est-ce quelqu'un qui blague avec toi? Hein? Voilà, ça c'est un homme. Bon, vous voyez dans quel conditionnement. Lui, il croit encore qu'on est dans le temps des ancêtres, là où il y avait des guerres des tribus. Alors que maintenant, tu mets le couteau, tu finis à la maison d'arrêt. Non, nous les choses comme ça, on accepte. Il est dit avec émotion, hein. Ça non. Ah, ça, je suis mort. Regarde comment il met l'émotion. Et l'enfant là grandit dans ce conditionnement là. Lorsqu'il sera grand devant les frères, vous tapez ce que vous tapez, moi. Il reproduit l'émotion que papa avait bombardée. Et papa l'avait eu du grand-père. Et le grand-père avait eu de l'arrière-grand-père qu'il avait eu en l'arrière-grand-père qui était guerrier. Vous dites amen. Bon, qu'est-ce que le monsieur-là moderne sera? Vous verrez qu'il aura toujours un couteau. Lorsqu'il sort comme ça, il a un canif quelque part. Parce qu'on lui avait dit qu'un homme ne peut pas se promener sans le canif. Ça, c'est ses ongles. Il faut qu'il garde ça là. Et lorsqu'il a ça, il ne blague pas. Lorsqu'il se rencontre un membre de famille, oh comment? Oh ça va. Comment? Non, mais tu ne vois pas? Ah, tiens. C'était des valeurs hier pour garder la famille, mais ce n'est plus les valeurs aujourd'hui. On est chez nous, on te fait des gris-gris, ensuite tu as la force, lorsque tu tapes quelqu'un, directement il meurt. Quoi? Il dit oui, on te fait les camons, et ensuite coup de tête, ah, il est par terre. Donc, il dit déjà à l'autre, mais il faut arranger l'enfant, hein? Comment? Il est flemmard. Mais vous êtes en train de maudire cet enfant. Le pauvre va aller en Europe pour aller étudier dans le premier schéma. Et un petit blague avec lui, comme il s'est émotionné, l'émotion rentre et il perd contrôle. Pouf! Et la vie tout ça. Vous voyez comment le diable programme.
Et là-bas, on va le faire couper blessure ou quoi que ce soit et condamner avec le racisme. La vie est totalement brisée. Comme il n'était pas préparé à ça, il est totalement brisé. Vous dites amen. Je crois que vous comprenez quelque chose. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Ça, c'est la vie de la chenille. C'est en arrêtant ça que nous allons avoir une nouveauté de vie. Donc, ces conditionnements dans lesquels vous aviez grandi, le pays, l'endroit géographique. Parce qu'il y a d'autres ici, si les six étaient nés japonais, peut-être ils ne seront pas chrétiens. Vous savez ça, non? Si vous étiez né en Inde, dans les villages de l'Inde là-bas, c'est dur que vous soyez un chrétien. Hein? Mais si vous étiez né de la famille de la reine d'Angleterre, est-ce que vous aurez même la possibilité d'écouter les messages? C'est inaccessible. Mais Dieu a privilégié que vous naissiez ici, dans ces familles que vous appelez foutues, pour que vous receviez ce message. Il sait que dans ce message, qui peut dire amen, il y a la bénédiction de l'au-delà et il y a la bénédiction présente. Mais regardez le modèle de pensée de votre pays. Dans notre pays, nous avons eu tellement de discours politiques. Je me rappelle lorsqu'on était petit, on nous appelait les pionniers. C'était politique. Et on nous mettait des articles, les histoires, les codes de vie. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis demandé ça servait à quoi. Ça servait à nous conditionner à ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans notre pays, nous avons pris un mode de pensée que pour que nous soyons bien, il faut le gouvernement. À tel point que même dans nos villages, on s'attend à ce que le gouvernement puisse venir planter les maïs pour que les gens mangent. Mais parce que les gens qui sont au village attendent que ceux qui sont en ville leur envoient la nourriture. Mais est-ce qu'ici, dans la rue aussi, on peut faire la plantation? Ça doit sortir des milieux ruraux. Mais comment les gens des milieux ruraux veulent que les gens qui sont en ville puissent s'en occuper de vous? Vous voulez que les FAO puissent vous donner du blé, de la farine, du maïs, du manioc, et qu'ils puissent vous nourrir. Les gens qui sont valides, ils veulent tous travailler à la fonction publique. Vous avez un exemple de quelqu'un qui a travaillé. La fonction publique, c'est une vocation. Lorsque les lois de la cité furent construites, c'était un service national. Ce n'était pas pour être riche. Les riches, c'est ceux qui étaient propriétaires des entreprises, propriétaires des terres, propriétaires de ceci, pour qu'il n'y ait pas de voleurs ou d'autres personnes, notre nation, qui puissent venir prendre nos bœufs, nos richesses, nos mines. Alors, on disait à d'autres d'être volontaires et d'être les militaires, d'être ceci pour nous défendre pendant ce temps, nos enfants, nos femmes sont en paix. En contrepartie, ils avaient ce qu'on appelle l'impôt, les taxes, l'imposable. Qui ira pour payer, pour compenser cela? Qui peut dire amen? Voilà comment l'État, le service public a été créé. Mais aujourd'hui, on a perdu de vue ça. Donc on est là, le gouvernement de ces pays. Mais qui t'a dit que c'est un gouvernement de pays qui développe? Vous avez quel modèle? Et moi, j'en ai plein. Qui peut dire amen? Amen? Dieu ne nous a pas dit qu'il nous bénira par le gouvernement congolais.
Dieu nous a dit qu'il nous bénira par Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est par la foi. Bien. Alors, lorsque vous critiquez notre gouvernement, c'est par rapport à quel gouvernement? Bon, par rapport à la gouvernement français. Dis-moi, le gouvernement français par année construit combien de routes? Et construit combien d'immeubles? Tout ce qu'ils ont, c'est ce que Napoléon avait laissé. Celui qui a construit encore un réseau de routes, c'est Mitterrand. Il a fait un périphérie. Ils n'ont pas de route à construire. Ils ont des chantiers là-bas qui durent 4 ans, 5 ans, sont finis. Ça, c'est ce que les médias ne vous disent pas. Qui vous a dit que les Français sont riches? 80%, plus de 80% du peuple français vit à la limite du SMIC. Qui peut dire amen? Le nombre des millions de chômeurs qui sont en France sont plus que la population, double fois que la population du Congo tout entière. Mais le gouvernement l'a fait quoi? Vous comprenez, ça ne dépend pas d'un gouvernement. C'est un problème individuel. Vous devez prendre votre destinée en main. Parce que les membres du gouvernement n'est qu'un homme qui a été pris parmi vous, qui a grandi aussi dans les mêmes conditionnements et dans lesquels on l'a placé membre du gouvernement. C'est là qu'il sera membre du gouvernement que cet conditionnement mental qui s'est solidifié va changer. Et vous attendez de lui de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais il faut des contraintes. Il faut que vous ayez des vrais moyens de pression. Changer un homme, mon frère, c'est facile d'essayer de demander à un autre de changer. Mais essaie d'abord de te changer toi-même. Là, au moins, tu n'as personne. Hein. Voilà, c'est ça cette condition dans laquelle qui nous bloque. On dit on l'année prochaine le gouvernement va embaucher. Ah, Seigneur, fais qu'on puisse m'embaucher. Oh. Qui t'a dit que c'est priorité lorsqu'il est dans son bureau là-bas et qu'on puisse t'embaucher toi? Il arrive là-bas, il y a d'autres contraintes qui sont là-bas. Il n'a que 24 heures par jour. Il doit dormir, il doit manger, il doit rester avec sa famille. Bon, le temps qu'il réfléchit pour toi là, il y a encore d'autres dossiers qu'il doit signer. Il y a des raisons qu'il doit terminer. Bon, vous vous rendez compte? Toi, tu as été mis en oubliette. Amen. 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 Moi, je suis fier d'être un gouverné. Mais nous devons créer plutôt des dynamiques. Qui fera que eux qui sont là-bas puissent faire attention à nous. Amen. Qui peut dire amen? Alors nous allons faire des efforts. Mais la mentalité là. Tu vois, tous les avions aussi viennent ici chez nous. Ils amènent des Européens, des Américains, de quoi que ce soit qui descendent ici. Les gens là, lorsqu'ils viennent ici, si vous êtes avec eux dans les avions, ils sont très contents. Parce qu'ils croient qu'ici, ils vont devenir riches. Mais tu es étonné lorsque ces avions-là commencent à partir, tu trouveras aussi des Congolais qui partent. Mais ils sont très contents parce qu'ils croient qu'ils vont aller avoir la richesse ailleurs. Pendant ce temps, l'avion-là a amené les gens qui vont venir s'enrichir chez lui. Et il ne demanderait pas à celui qui vient ici, tu es venu chercher quoi chez nous? On a la richesse. C'est vrai, il y a la richesse ici, oui. Comment ça se fait? Renseigne-toi parce que tu es là. Mais tu vas aller, lorsqu'il part là-bas, il ne demande même pas cela, où est la richesse ici chez vous? Non, non. Il vient avec une idée reçue et il rentre. Un an jusqu'à 25 ans. Vous savez ce qu'on appelle ça? L'œil du cyclone.
Les gens qui sont en Europe, en Amérique, dans tous ces pays riches-là, veulent bien venir ici. Mais ils ne viendront pas. Vous savez pourquoi? Non. C'est parce que il s'est dit, si je repars, je vais dormir où? Le lit que j'ai dormi là, le neveu dort déjà là-dedans. Et c'est devenu petit. Je suis devenu grand. Mais est-ce que je vais encore aller rentrer dans cette maison-là, là où il fait chaud? Et deuxièmement, lorsque je vais partir là-bas, et il croira que je viens avec la richesse, parce que c'est ce que je leur ai dit. Mais si on n'a pas, je vais encore leur demander, donnez-moi. Vous comprenez? C'est ce qui les préoccupe, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Toute personne qui a été à l'étranger savent ça. Ils s'attendent à une solution miracle qui leur donnerait un projet, les moyens, et ils viendront. Parce qu'ils ne peuvent pas venir sans un colis. Sans un cadeau pour donner à son père, à sa soeur et tout. Là-bas, ils se promènent avec des culottes et des t-shirts. Ils n'ont pas autre chose. Bon, ils vont rentrer dans l'avion comme ça. D'abord, payer l'avion là, c'est beaucoup d'argent. Mais ils trouveront ça où? Ils sont là-bas. Vous savez leur slogan? Kaka et Bimbinanga et Rosonga. Dites amen. Et on va faire les cotisations là-bas. Chaque personne vient. Oh non, il y a un compatriote qui m'a donné les cotisations pour rapatrier son corps. Mais pendant ce temps, ici, tout arc-en-ciel veut tout faire pour partir là-bas. C'est pas mal de visiter la terre. La terre est notre paroisse. Mais nous voulons les visiter dignement, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le conditionnement. On nous a mis ça. Aussi longtemps qu'on ne change pas ça, ça ne changera pas. C'est le conditionnement. Et ce conditionnement-là est dû aux sortes de pensées qui germent en nous. Les pensées-là, ce sont des idées reçues. Et ces idées reçues, lorsqu'elles sont ajoutées aux émotions, donc, lorsque tu as une idée, par exemple, je veux avoir une maison. Je crois que c'est une promesse, n'est-ce pas? Jésus a dit, on lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous, on bénéficie, nous qui avons abandonné nos mamans, nos enfants, nos parents pour te suivre? Qu'est-ce que nous gagnons en cela? Il dit, personne de ceux qui ont abandonné le monde pour moi ne soit béni dans ces siècles. Donc les choses de la terre, n'est-ce pas? Il a dit l'esprit ces siècles. Écoutez, et dans le siècle à venir. Il dit ici, je vous donnerai les frères. Tu vois comment j'en ai? Je nous vous donnerai les sœurs. Vous voyez, vous tous, vous êtes mes sœurs. Dites amen. Je vous donnerai les mamans. Ça, c'est Jésus qui a dit. Hein? Je vous donnerai des maisons. Qui peut dire amen? Bon, cette partie-là n'est pas valable pour nous. Et 80% des membres de mon église n'ont pas de maison. Je vais dire même 95%. Je vais dire 98%. Ils n'ont pas de maison. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais le Dieu que nous croyons a dit que personne, si tu abandonnes le monde, tu le suis, il te donnerait des. Il a dit un. C'est au pluriel, minimum deux. Des maisons. Frère, même on avait des maisons. Qui peut dire amen? Bon, pourquoi vous n'en avez pas? Parce qu'il dit, c'est votre attitude, parce que votre attitude mentale correcte vis-à-vis
d'une promesse fait que la promesse s'accomplit. Donc votre attitude mentale vis-à-vis de cette promesse est fausse. Il y a quelque part quelque chose à foirer. Il vous donnera des maisons. Ce n'est pas parce que tu as une maison que tu accomplis ça. Des maisons. Amen. Il vous donnera des maisons. Je ne veux pas dire une maison dilapidée. Il parle de mansion. Mansion, c'est un château. Vous dites amen? Il y a des chambres hautes et des chambres basses, donc c'est déjà double. Il vous donnerait, mon frère, même si tu n'as rien, mais au moins Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Ne crois. Et le reste, lui, il va faire. Alors, pour que cela puisse venir en vous, remarquez comment vous aviez les maisons. Lorsque j'enseigne ici, l'année prochaine, lorsque ça va terminer, personne n'a des maisons, nous allons les chasser d'ici. Et pourquoi je donne une année? Parce qu'une maison ne se construit pas en un jour. Amen. Premièrement, une pensée. Donc, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas matérialiste. Vous êtes spirituel. Dieu a commencé à appeler le monde à l'existence à partir, comme on dit, nothing, de néant, de rien. Dieu n'avait pas une autre matière dans laquelle il a fait la matière céleste. Ou stellaire. Dieu a commencé à créer toutes choses à partir de zéro. C'est pour cela que lorsque vous commencez zéro, mais vous terminez héros. Il n'y avait rien, nothing down. Il n'y avait pas un dépôt à mettre ou un crédit ou quoi que ce soit à partir du néant. Et la seule chose que Dieu avait, c'était sa parole. Et la parole est une pensée, concept exprimé. La seule chose que vous devez faire, c'est ce que Dieu a fait. Parce que vous êtes Dieu en état d'attente. Vous êtes prêts à recevoir vos villas? Parce que je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a guéris. Écoutez. Premièrement, la pensée d'une maison. N'est-ce pas? Et nous avons lu ici que lorsque Dieu prononce la parole, cette chose est déjà fait. Il ne peut pas l'exprimer si ça n'existe pas. Qui peut dire amen? Donc si Dieu vous promet qu'il vous donnerait les maisons, c'est que ces maisons existent quelque part. La profondeur appelle la profondeur. Tout ce que vous voyez, ça existait d'abord dans la pensée des gens qui ont fait ici. Qui peut dire amen? Ça existait. Cette maison ici a existé dans ma pensée. Même maintenant, là, ça a changé déjà. J'ai encore une autre. Qui va apparaître? Amen. Amen. Alors, remarquez, premièrement, c'est la pensée. Dieu
pensa. Vous êtes les pensées de sa pensée. Et ensuite, il vous a exprimé. Donc, premièrement, ayez dans la pensée une maison. Ayez quelque chose comme représentation. Deuxièmement, commencez maintenant à cette maison de croire que vous l'aviez. Acceptez que vous l'avez. Ça ne s'arrête pas là. Vous devez ajouter, vous comprenez? Pour que vous acceptez que cette maison soit là, il faut que vous la visitez. Lorsque vous commencez à mettre les manouvelles pour que la dynamo puisse donner de l'énergie, qu'on a vu ici l'émotion, toute énergie est donnée à partir de la dynamo. Il faut tourner la manouvelle. Oui, oui. Hein, vous tournez l'énergie électromagnétique va se transformer en énergie électrique et va commencer dans une suite. Alors, remarquez, la loi de l'électricité, c'est de faire la première chose, visualiser. Parce que la Bible dit que vous êtes transformé à l'image de votre contemplation. Voyez quel homme, je vais vous dire que vous devez créer un monde en privé. Vous écoutez ça? C'est ce que Frère Branham dit dans le fondement fondamental pour la foi. La base de la foi, c'est la promesse. Il dit, il donnera à conseil des maisons. Vous dites amen? Alors commencez par vous voir vous-même dans cette maison. Si vous aviez votre passe-temps, achetez un cahier, dessinez ces maisons-là. Toutes ces pièces. Essayez de voir la décoration et faire histoire et tout. Et voyez-vous dans cette maison. Parlez de cette maison. Ok? La maison-là est où? Ce n'est pas votre problème. Et commencez à aimer cette maison. Embrassez vos enfants. Il dit, maman, toi tu auras ta chambre. Tu veux s'asseoir comment? Non, s'asseoir grand, avec un lit, avec la télé, avec les histoires. Qui peut dire amen? Parlez-les de cette maison. Et promenez, allez-y demander les prix des matériaux des maisons. Bon, pour faire une fondation de cette partie-là, c'est comment? Retournons, j'ai ma maison que je vais le faire. Où? Non, dans une parcelle que Dieu m'a donné, que je n'ai pas encore reçu. sans cela que Abraham, notre père, était fou. Il ne s'attendait pas au gouvernement, il s'attendait à Dieu. Parce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils remerciaient Dieu dans la chambre haute du Saint-Esprit qui les avait déjà donné, qui n'avait pas encore reçu. C'est en faisant cela qu'ils ont reçu. Moïse a reçu ses yeux, parce qu'il a témoigné, gloire à Dieu, maintenant je vois, alors qu'il était encore aveugle. Gloire à Dieu, maintenant je vois, jusqu'à ce qu'il a vu. Est-ce que vous suivez ça? Je ne vous demande pas de demander la question comment j'aurai cette maison. Comment tu auras cette maison? Voilà la réponse. C'est en pensant profondément de cette maison. Cette manière de penser, de parler de la maison, la science appelle ça la suggestion. Vous vous suggérez, vous êtes en train de vous convaincre vous-même. Cette femme qui était à tête de sang, dans Marc 5, et la Bible dit, pendant près de 25 ans, il a souffert et il a distribué tout son argent aux mains des médecins. Il n'avait pas eu de cause. Mais elle dit en elle-même. Donc, parler, c'est art de parler de toi-même. Suggérer à vous-même. C'est là
que l'émotion s'ajoute. Que j'ai une maison. Merci Seigneur de m'avoir donné une maison. Merci Seigneur de m'avoir donné la maison. Cette maison-là, Seigneur, voilà la chambre ici, ça sera la chambre de l'homme de Dieu. Bon, ici, ça sera pour ma femme. Là, ça sera mon bureau. Bon, je ferai une chambre de prière. Qui peut dire amen? Mon frère, ça coûte rien d'avoir une maison dans la pensée. Est-ce que ce n'est pas facile? Je ne vous demande pas d'aller soulever les briques. Je vous demande de la voir simplement dans votre pensée et de les descendre dans votre cœur. Cette maison chérie que Dieu vous a donnée. Le matin, tu penses de ta maison, à midi, à 9h, le soir, à 6h, 9h, 12h, 15h, chaque 3h, tu es là en train de parler de cette maison, de l'aimer. Vas-y même chez les architectes si tu as de l'argent, qu'ils te dessinent. Ensuite, tu modifies. Une maison dans laquelle tu n'as pas de parcelles, pas du sable, pas d'argent, pas de ceci. Tu vois, ça paraît ridicule, hein? On s'est moqué d'Abraham, un homme de 75 ans, dit qu'il aura un bébé, il va dans les rayons, achète des couches à jeter, on dit, c'est pour qui? Oh non, la vieille qui avait peut-être 80 ans, 75 ans, va avoir un bébé. On dit, le vieux là. Et qui était fou? C'était eux. C'est ça ce qui fait de vous fils d'Abraham. Ça paraît banal, ça paraît simple. Mais mes frères, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nous parlons des choses que nous vivons, que nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Nous ne sommes pas des Zacharie qui parlent des choses qui ne maîtrisent pas. Oui, c'est ça, frère. Nous parlons des choses qui sont vivants. On est parti de zéro et Dieu nous a donné des maisons. Qui peut dire amen? Mais attention, lorsque ça va commencer à venir, tonton, tu n'auras pas le contrôle. Hein? Si vous avez déjà déclenché l'électricité et que vous arrivez à la masse critique, ça commence à aller sans vous. Vous verrez simplement, vous avez acheté là-bas, vous avez acheté ici. Donc vous êtes déjà en esprit. Lorsque vous allez répondre de votre esprit, vous avez peut-être déjà 15. Moi, je l'ai vu. Qui peut dire amen? Vous dites amen? Vous voyez? Mais comment obtenir ça? Hein? Number one, pensez sur la maison. Deux, pensez à ça toujours et toujours. Parlez de ça, même si vous êtes seul, monologué. Vous connaissez monologué? C'est parler soi-même. Mais cette fois-ci, pas dans le vide, mais à vous-même. Vous commencez à parler à vous-même. Et la maison, là, vraiment, bon. Au lieu de la peinture, je vais mettre le papier peint. C'est une manière de retenir ton cœur à ça. Répétez, 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 parlez, voyez ça, affichez, écrivez dans votre bloc-notes dans lequel tu ouvres ma maison à 5 chambres. Et tu ouvres comme ça à 2 étages. Tu ouvres comme ça l'autre à 5. Donc continuez, allez-y prendre même les photos dans les magazines des bons journaux. Coller ça partout. Donc ça doit inonder votre vie. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de provoquer là les lois du subconscient. Parce que votre âme n'a pas le sens de la vie, ni du toucher, ni de la conscience. La seule manière, c'est de devenir la chose. Vous comprenez? Les lois du subconscient, les lois du subconscient, c'est qu'une chose, avant de rentrer dans la partie subconsciente, il doit d'abord être répété, répété, suggéré, 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 suggéré. Lorsque vous suggérez ça, l'émotion se remplit.
se remplit. Les sillons sont en train de se tracer. C'est comme si vous êtes en train de damer la porte. C'est comme si vous êtes en train de casser la pierre. Même ici, il n'y a pas de traces de fissures. Tapez simplement. Cette vibration-là, même la petite, vous verrez simplement, vous serez très étonné que la grosse pierre là-bas se déchire. Tapez, même ici, c'est pendant 5 ans, continuez à taper. Les lois du subconscient sont comme ça. Lorsque vous dormez, pensez à ça. Lorsque vous vous réveillez, parlez de ça. Lorsque vous faites ainsi, alors votre cœur, lorsque il y a une fissure, peut-être que vous ne saviez pas, d'une manière subtile, peut-être en chantant ici à l'église, ou en écoutant, ou à la maison, ça rentre. Dès que ça rentre dans le subconscient, premièrement, le subconscient continue votre travail. Donc au lieu que vous vous rappelez que je dois répéter ça, quelque chose en vous vous rappelle. Donc c'est maintenant l'auto-suggestion. Vous suggérez jusqu'à ce que le subconscient prend la relève. Et lorsque lui prend la relève, vous êtes au repos. Parce que lui, il vient avec les lois du moindre effort. Et lorsque lui, il fait, il fera mieux que vous. Vous verrez, votre prière sera différente. Votre manière d'agir sera différente. Et lorsque lui commence à faire l'auto-suggestion, votre comportement sera différent. Une intelligence qui viendra à vous n'est pas habituelle. Et votre comportement sera aussi différent. Et les circonstances, des opportunités vont venir vous chercher au lit et vous réveiller le matin. Alléluia! À la fin, vous serez une autre personne métamorphosée. Amen. Ça viendra à vous. Ou cette force viendra vous soulever. Vous qui êtes paresseux, qui se réveillez pas le matin, cette force-là viendra vous soulever le bon matin. Vous verrez quelqu'un. Quoi? Vital. Vital. Allez, maintenant, viens. On a un problème là-bas, vas-y me laisser et tout. On peut nous donner ceci. Hein? Oh, toi aussi. Donc, tu vois déjà, c'est l'opportunité qui est venue te chercher. Et là-bas, tu vas connaître d'autres personnes. Ces d'autres personnes viendront te chercher. Viens à 5 heures, hein? Oui. Tu commences à dormir avec le réveil. Ah, c'est 5 heures. Tu cours, tu prends l'avion. Hein? Tu commences à faire les actes qui étaient différents. Et le voleur t'a volé. Hier, tu étais en train de jouer les dames dans le quartier sans rien faire. Aujourd'hui, tu es en train de monter les avions. Et après, demain... Alléluia! Tu es totalement mort. Tu as changé complètement. C'est une autre personne. Lorsque tu vas dans le voyage, là, tu as déjà acheté 2 complets parce que là-bas c'est moins cher. Ici, on te vend 10 fois le prix. Savez-vous que les costumes que vous achetez ici à 200 000, 300 000, 60 000, ça se vend à 10 000, 20 000? Qui peut dire amen? Alors, lorsque tu voyages au hasard dans ces lieux-là, et le désir de costume, tu vas donner peut-être 100 000, tu as 10 costumes, tu mets dans la valise. Ta femme qui se plaint, si se plaint toujours qu'il n'a pas des habits de rechange, tu voyages dans ces pays, tu prends au moins 50. Elle n'aura pas de place dans sa garde-robe. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors, lorsque 50 complets viennent dans la garde-robe d'une femme, si hier, elle avait toujours le comportement d'avoir des galons, aujourd'hui, ça sera les souris jusqu'ici. Donc, un comportement a changé. Alléluia! Tu es en train de converger vers une vie meilleure. Ce couple hier et aujourd'hui sont différents.
Parce qu'ils ont cheminé de la pensée à la pensée émotionnée. Ajoutez à cela les habitudes, et les habitudes créent les événements. Mon frère, je ne connais pas d'autre manière de changer. Mais la plus dure à faire, c'est ici. Voilà le travail. Vous faites les deux. Dieu fait ça. Et ça. Et la nature réagit. Ici, ce n'est pas vous. Vous, c'est les deux. Et les deux produisent ça. Comment les habitudes viennent? Si j'ai l'habitude de me réveiller, vous me réveillez aujourd'hui la nuit. Vous m'obligez de manger. Je dors. Demain, vous me réveillez encore la nuit. Vous m'obligez de manger. Après demain, vous me réveillez la nuit. Vous m'obligez de manger. Ça va me donner peut-être la diarrhée ou je vais vomir. Mais vous me forcez encore de manger la nuit et de dormir. Vous mangez. Après un certain point, il est dit 21 fois. Le 22e fois, c'est moi qui se réveillerai à cette heure-là. Et dire, ah, j'ai faim. Qui peut dire amen? Parce que les horloges du corps ont tout reprogrammé avec le nouveau acte qui a été forcé. Et lorsque tu te réveilles la 22e fois, c'est maintenant du domaine de l'habitude. Et demain, tu vas te réveiller. Après demain, c'est fini. Tu ne pourras plus s'empêcher de se réveiller la nuit et de manger. Personne ne peut te délivrer là. À moins que la nuit, lorsque tu te réveilles, on te dit « dors, tu ne manges pas ». Et le matin, tu manges. La nuit encore, tu te réveilles, on dit « dors, tu ne manges pas ». Alors, les hormones de dépendance viennent maintenant changer. Cette fois-ci, la nuit, tu ne mangerais plus. Et je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc, vous devez forcer. Ça ne fait pas partie. Vos habitudes actuelles vous empêchent de venir à l'église. Vos habitudes actuelles vous empêchent de s'asseoir longtemps et d'écouter le discours d'un homme. Vos habitudes actuelles vous empêchent d'avoir ces sortes de pensées. Votre habitude actuelle est différente de cela. Mais la seule manière, c'est de faire le contre-poison, forcer. La partie légaliste du message. Forcez, forcez, inclinez-vous d'une certaine manière, marchez d'une certaine manière, forcez, forcez, jusqu'à ce que la loi de moins effort viendra et vous verrez que ça va se faire soi-même. Lorsque ça fait soi-même, au même moment aussi les circonstances vont venir. Donc tout dépend de votre foi. Et votre force consiste à dire à vous-même que vous n'êtes pas ce que vous êtes et vous êtes une autre personne que vous voulez être. Vous devez convaincre vous-même de ce que vous êtes une personne nouveau. Qui peut dire amen? La perception des gens envers toi aussi changera. Et la personne que tu acclames toutes les années va aussi apparaître. Tu seras très différent. Tu agiras différemment. Tu t'habilleras différemment. Et tu vivras différemment. Et tu auras un caractère différemment. Même l'intelligence, c'est le subconscient qui te le donnera. Vous vous demandez, quand est-ce que j'ai étudié ces choses que je vous enseigne? Où est-ce que j'ai ça? Et pourtant, nous lisons la même Bible. Nous lisons les mêmes livres, les mêmes brochures, les mêmes choses. Mais nous n'avons pas la compréhension la même parce que moi, par un don divin, j'ai été orienté. Et tellement que je l'ai fait, maintenant je l'ai fait sans effort. Je lis la brochure ou la citation, une ligne de pensée s'ouvre. Qui peut dire amen? Et je l'applique et j'ai les résultats. Ensuite, je sais que c'est bon et je viens vous enseigner. Et ceux qui l'appliqueront auront les résultats. Et en leur tour, ils vont l'enseigner. C'est cela que cette bonne nouvelle va aller dans le monde entier et faire des disciples qui fera des disciples jusqu'à ce que la terre entière soit évangélisée. Que le Seigneur vous bénisse.
Lève-nous. Oh là là, vous m'avez pardonné, je vous ai gardé très longtemps. Je crois que le temps est allé trop vite que on était tellement en esprit. Avec nos têtes inclinées. Le grand jour scellé. De Christ, c'est nous promis le Saint. Seigneur Dieu. Envoyez ta parole, la parole de la promesse. C'est la seule parole qui transforme l'Église, l'épouse. Comme une jeune dame reçoit la promesse du mariage, ça la transforme à une dame faite. De la même manière, tu nous as fait des promesses. Beaucoup de promesses, les promesses de rédemption, les promesses du salut, les promesses et la grande promesse de l'homme. Seigneur, tu as dit dans Jérémie que tu as fait des projets pour ton peuple, des projets de bien. Seigneur, savons que ta parole dit la vérité. Et toi, Dieu, tu ne parles pas en vain. La profondeur appelle la profondeur. Lorsque tu as parlé, c'est que cela est déjà fait. Et nous croyons cela, Seigneur. Comme Abraham, nous croyons que nous sommes changés. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Merci de nous avoir changés par ta parole. Merci de ce que Arc-en-Ciel n'est plus le même. Merci pour ceux qui recevraient ces bons. Merci pour El Shaddai Tabernacle. Merci Seigneur pour ton peuple qui se réunit partout, en Europe, en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Seigneur, partout, à l'Istabénac, ceux qui recevront ces bons, nous croyons, Seigneur, qu'ils sont comptés. Nous croyons, Seigneur, que tout a déjà changé et que la lumière a éclaté. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes des hommes faits, que la divinité, le géant qui est en nous, s'est réveillé déjà. Le monde le saura. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Bénis les dîmes et les bénis ton peuple. Comble-les. Restaure-nous la joie du salut, Seigneur. Remets-nous notre zèle du commencement pour que nous puissions te servir. S'il y a quelque chose qui a été dit qui n'est pas dans la ligne, Seigneur, écarte cela du cœur de mes frères. Et que seule ta parole soit la sémence du royaume. Nous croyons que les malades sont guéris et que les affligés sont consolés et que chaque requête a été exaucée et qu'en sortant d'ici, nous sommes des personnes nouvelles créées selon ta parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui croient disent Amen.
vous bénir richement. S'asseoir. Les alliés à solo, la caille, la caille qui est sous les coquilles. Solo, la caille, la caille qui est Je jali à solo, on dit la cae la cagi esu, et copisani, oye ino yami balé, je jali à solo, on dit la cae la cagi o, et copisani. Que 17:30, et même yo, awanase, kolonzambe, et paï yo kamataki, photo na mowe, et toko kaki, omona na tempelo, photo ko balola, et longi pe miso maye. Oso so la makanisi ya mitema Pepo bongola omoto ya bato Oyo chali dende mokonisi Mendozo vibri, vibri Apocalypse 10, ennemi yo kuna na mi pepe. Apocalypse 10, ennemi yo kuna na mi pepe.